C'est le matin, on a le gourdin. C'est le matin, on peut quitter un peu ta news. C'est le matin, j'ai le gourdin. C'est le matin, on peut quitter un peu ta news. C'est la question. Comment il va, Marofelette ? Il va très 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 bien. Il va devoir partir en milieu d'émission. Ouais, et tu sais ce que j'ai demandé parce qu'on se dit tout dans l'émission. C'est vrai qu'on se raconte tout. On se raconte tout. Attendez. Parce qu'on est une famille. Il va la montrer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la clé. À deviner. Montre-la bien. Genre, là, c'est pas un château. Je n'habite pas dans un château. Ouais, c'est là qu'on dirait la porte. La porte. Ah, c'est la clé de chez toi, tu vas te dire du coup. C'est Fort Boyard. C'est mec. C'est la porte du pont-levis, ça. La porte du pont-levis. Et donc, tu vas demander une petite faveur. Donc, je dois aller garder ma fille exceptionnellement. Normalement, on est censé faire qu'une heure, mais on fait souvent deux et on adore déborder. Mais bon, là, exceptionnellement, au bout d'une heure, je devrais partir. Et Norman a dit : oh, toi, tu vas m'en rendre un service, toi. Je vais satisfaire ma femme. Et voici donc la clé de la ceinture de chasteté de Madame Genius. Tu rentres directement. J'arrête pas de pousser depuis la PG. Ouais, la même. Mais ça va mieux. On a déjà dérapé là. Non. C'est Patrick. Il va satisfaire ma femme. Elle est drôle, elle est bien. T'imagines, Rafaelo, tu sais, il se met dans le lit. Coucou. C'est pour quoi ? Service pour un ami. Service express, la refaite. Alors, en fait, c'est Genius qui m'a demandé de passer. Donc voilà, on va commencer l'émission. Je vais représenter l'équipe pour ceux qui viennent d'arriver. Il est dans le jeu vidéo depuis plus de 25 ans. Voilà, il a rien à prouver. Il est invité à toutes les soirées presse, toutes les soirées ciné, toutes les soirées dansantes, tous les apéros. Combien de temps je t'ai vu un code Call of Duty hier? J'ai demandé un code Call of Duty. Et merci de le dire devant la caméra. On sait tout. Mec, je lui ai dit, il a eu ça, mais en 5 minutes. Ah, incroyable. Ouais. Alors, moi, j'ai déjà appelé, j'en ai déjà demandé deux, ça faisait gratuit. Oh, c'est pas vrai. Oh le bâtard. T'as dit que c'était pour moi? Hein? T'as pas dit que c'était pour moi? Non, j'ai pas dit que c'était pour toi. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé à toi. C'est pour ça. Nanix m'a donné mon Call of Duty. Voilà. Tu joues sur quoi? PC. Mais là, c'était pour un ami. Ah, d'accord. Échange des bons procédés. C'est presque pareil. A5, c'est pareil. À Nice, Monaco, la Corse, alors évidemment, chez eux, il neige, il y a de la pluie. Oui, tant pis pour eux. Dans le nord, il fait très très beau, il fait 9. Et il y a beaucoup de nuages. Et des nuages magiques. Et là, il y a un nuage magique, en effet. Et l'après-midi, Brigitte, qu'est-ce qu'on a? L'après-midi. Voilà. Alors, s'il vous plaît, l'après-midi, ça ne monte pas. Au contraire, même si ça descend, il fait 7 à... Ça doit être Montluçon. Et toujours à Brest, 8. Là, ouais, 8 là. Et derrière moi, là. Et t'as les villes quand même. Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est Bayonne. Bayonne. Il y a des fêtes là-bas. Ouais, alors là, il y a la fiesta. Alors, du coup, il fait un peu plus chaud. On bouge. On se réchauffe. On applaudit Brigitte. Bravo. Il a pété mon téléphone. Réponse te plaît, s'il te plaît. Oh. Allô? Ouais. J'ai porté chance, c'est cool. Il répond pas, du coup on va raccrocher mes mec. Ouais, comment ça va Vincent, dès le lendemain matin? Est-ce que tu as la forme? La tête de ma mère. La tête de ma mère, il a cru que c'était une blague en fait. Mais c'est ma gueule, la tête de ma mère. Vincent, c'est pas une blague, c'était le matin. Il a vraiment raccroché. Il a vraiment raccroché. Oui. La tête de moi. Rappelle-le-moi. Il a raccroché, mec. Renvoie les cadeaux. Il a raccroché. Il m'a raccroché au nez, mec. Il t'a raccroché au nez. Moi, au nez. C'est quoi? On lui dit, on le rappelle, on l'a, on fait. Bah, t'as pas les cadeaux. Personne m'a raccroché au nez. Il y a que ma mère et ma maîtresse qui m'ont raccroché au nez. La tête de ma mère. Bonjour. La tête de ma mère. What? La tête de mes trois frères qui raccrochent et mes sous-répondeurs. Oh là, la double radine. Laissez un message après le bip. À la fin de votre message, frérot. Si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Depuis que je suis né, ma tête de ma mère. Il y a deux personnes qui m'ont raccroché au nez. C'est mon chat, ma mère et ma maîtresse. Ça fait trois. Là, tu viens de faire une erreur incroyable. Je sais pas où c'est Mitri Mori. Mais demain... Je prends le premier wagon, je sais pas ce que c'est. Je vais aller Mitri Mori, frérot. Vincent, les cadeaux, je vais te les mettre dans le fion. Non, mais voilà, c'est pas bien. Et tu peux réagir à Maxime Jao, qui tous les jours check les news.
On commence par du jeu vidéo, enfin pas vraiment du jeu vidéo, c'est à la frontière entre le jeu vidéo et le cinéma en fait, tout simplement. Il y a quelqu'un au téléphone pour toi. Oui, bonjour. Oui, alors, il va falloir que tu règles tes factures. Raccroche, on n'y a pas de ça ici. On va essayer de mettre l'utile à l'agréable, comme on dit. Là, j'ai l'émission Magic à 13h. Il y a Skyheart qui m'a dit la semaine dernière « Ah ouais, moi ça m'intéresse, je veux venir ». Juste avant, je lui ai envoyé un message « Hello, petit rappel, rendez-vous à 12h40 pour l'émission Magic ». Pas de réponse. Oula, ah, oh là là. À mon avis, il fait dodo là. Attends, quoi, je vais m'étonner, je vais dire qu'il y a la direction et tout. Attends, c'est quoi? Sous la couette, on aurait été changé. C'est exactement ça. M'étonner, je vais dire que la mission a commencé à midi. Skyheart, évidemment, que vous connaissez un grand joueur de LOL, de Fortnite, un grand. Il est en train de regarder l'émission. Un frère pour toi. Skyheart Link. J'adore. Ouais, Skyheart. Oui. Ouais, salut, c'est Genus, ça va, poto? Ah putain, dis-moi, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? C'est bien, je t'appelle rapidement, c'est pour les missions Magic, savoir si t'étais toujours bon. Sûrement. T'es toujours bon? Ouais, bah si, pour vous, mais attends, elle est à quelle heure du coup maintenant? Elle a changé d'heure, non? Bah non, mais c'est à midi, gros, c'est pour ça que je te dis c'est toujours bon, quoi. Ah, c'est à midi? Bah oui. Allô? Non, mais c'est pas ça, parce qu'en vrai, c'est à 13h. Même à 13h, ça. Mec, ils me font marrer, c'est des cons. Non, mon Sky, on est dans le. En vrai, t'as bien fait de me rappeler, parce que je pensais que t'étais quand même 4% tout ça, sans changer les horaires, du coup. En fait, c'est à 13h l'émission, mais comme on ne te voit pas, on se demande si tu fais toujours bien pour l'émission. En fait, c'est Rofelos qui m'a donné son téléphone. On est dans l'émission le midi, là, sur le stream. Je suis avec toute l'équipe et il y a Link. À quelle heure tu peux être là, Sky? Il y a Olivier qui est en train de chier en son croc. Bah, je suis en route, j'arrive direct. T'es bon mon Sky. Il s'est tapé sur la route. Bah écoute, on t'embrasse très fort et puis à tout de suite. Hein. Mec, quel... bravo. Le meilleur mytho. Ouais, bah là, je suis dans l'odeur. Je suis en caleçon. Il est en caleçon. Bon. Quel con. Et surtout, il a dit ouais, je pensais que c'était à 14h. Ouais. J'étais en route. J'avais pris une heure et demie d'avance. Comme ça dans son lit. Ouais, je suis dans son... Au début, midi, il a fait ah bon. Du coup, maintenant, les gens savent comment ça s'organise après voilà, les émissions. Ça. Pourquoi il y a des retards. Évidemment, sur évidemment. Le stream. Alors, heureusement qu'on a appelé. Hein. Bah oui. Non, mec, heureusement qu'on est tombé dessus. C'est quoi cette roue? Elle a sauvé peut-être une personne. Et ça va être quelqu'un d'autre. Enfant de 3 ans. Enfant de 3 ans. Ça va bien à Dibou, ça. Tu m'as regardé droit dans les yeux. Je t'ai vu comme ça. Ça va bien à Dibou. Allez, enfant de 3 ans, rappelez, ce n'est pas le but d'avoir un enfant dans les 3 ans qui viennent. C'est évidemment de faire la météo comme un enfant de 3 ans. Donc mets-toi dans la peau. Enfin, si je peux dire autre chose, on va changer de phrase. Ouais, mets-toi dans la peau d'un enfant. Incarne-toi en enfant de 3 ans. Sors la jeunesse qui est en toi. Oh, maman. Mon papa. Oh, oh non, mignon. Mais papa, je peux faire la météo. Non, oui, vas-y, fiston. Il est trop doué. Il est mignon. Il y en a deux. Il a envie de l'adopter. C'est quoi cette bave? Quelle horreur. Alors, il y a tonton Jules, ben, il est beau et il fait beau. Et après, ben, il y a cousin Maxime, il est pas très... Il est là-bas. Il est bon. Il est un peu triste, il pleure, je vais lui prêter mon doudou. Comme ça, il va aller mieux. Je sais pas chez le pays, alors je vais dire c'est Paris. On est à Paris. Et c'est le... Matin. C'est le matin. Et l'après-midi, mon Didi? Ah, l'après-midi. L'après-midi. Avec le majeur, hein. C'est pas beau, on va rester dans le lit, je veux pas aller à l'école. Je veux pas aller à l'école et je veux pas me laver. Applaudissements pour Divex. Oh là, alors, incroyable. Mais j'ai envie de t'embrasser. Bah alors qu'est-ce que... Putain, j'ai envie de t'adopter. Ok, Trompole, en attendant, on fait une roue des défis. Il n'y a que du 2. Un peu de Maxime, un... fais-moi le. Non, pardon, pardon. Vas-y, 1, 2. Réal. Réal. Ah, si tu dois aller prendre la place du lit. Eh ben, bon courage. Je vais me faire plaisir un petit peu. J'attends mon Gilou. Gilou, je suis derrière avec les câbles. Gilou, vas-y, t'inquiète. Attends, bah nous, on va rester là pour que tu puisses réaliser, peut-être. Bah oui, oui. Ouais, pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Je suis désolé, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein, c'est la roue. Bah, excuse-moi, je peux prendre la place. C'est pas moi. 6h09, bonsoir. Tout le monde en régie. On m'entend sur le plateau? On m'entend pas? Eh. Je suis en régie, les gars. Ah bah vas-y, Réal, ouais. Réal. Je suis en régie. Zizi. Zizi fesse. Alors, tu veux qu'on continue, Norman? Qu'est-ce qu'il fait? Non. T'as vraiment coupé le live?
Ah, j'ai pas fait exprès, je suis désolé. C'est de la merde ce truc de la roue aussi. Y'a plus rien. Non, mais on va revenir. Ah non, c'est juste l'écran, on a pas coupé le live, c'est juste l'écran noir. Ah, t'as compris, mais ils nous entendent toujours ou pas? Je sais pas. Vous nous entendez sur le. On vous entend. Ah merde. Ah, putain. Bon, yeah. Bravo. Ah, je sais pas. Allez, allez. Ça c'est la musique. Ah non, vous avez vu, putain, j'ai encore pris le pull de ma femme là. Bah c'est ce que tout le monde dit en fait. C'est le pull de ta femme? Bah il arrête ici, c'est le mien, je comprends pas. Putain, ça me fait chier à chaque fois. C'est quoi comme matière? Je sais pas ce que c'est de la merde. C'est de la laine? Ouais, c'est, je sais pas. C'est du coton, ouais, du coton de singe, ah ouais, c'est parti. Du coton de singe, je sais pas ce que c'est. Non, celui-là, je l'ai pas. Eh bien, il fut un temps où Marie Kondo proposait de jeter le superflu. Eh bien, dorénavant, elle veut qu'on l'achète parce qu'elle vient de lancer son site, sa boutique en ligne officielle. Elle va se régaler. Donc, vous le savez, donc, cette fameuse déesse du rangement donc, a ouvert sa boutique en ligne. C'est déjà disponible. Et en fait, tout ce qui se passe, c'est que, évidemment, tous les objets que vous allez voir rappellent un petit peu le minimalisme. Alors, elle prône le minimalisme, évidemment, tu vois, les objets sont quand même très designés, très très jolis. Ouais. En revanche, au niveau des tarifs, c'est quand même la folie furieuse. C'est combien à peu près? Alors, on va pas se mentir, franchement, c'est cool, mais. Alors, regardez juste le chausson, on a des chaussons à 200. Quoi? Mais la japonaise, le concept et tout, elle s'est dit, je mets à fond, c'est du foutage. Merci. Genre, elle est chez elle et chie sur ses murs. Mais le rangement, voilà ce que je te fais, moi. Confort. Je vais vite retirer ce piano. Vas-y, fais-nous la météo du matin et de l'après-midi, carte de la France, évidemment, aujourd'hui. Avec la voix Sven, tiens. Allez, d'accord, c'est Sven. Un petit côté Alf, quand même. Alors, t'es bourré. C'est Alf. Salut, je me ferai bien petit chat. Bon, alors, il va faire 7 degrés à Biarritz. Et Christophe, là, il. Oh, c'est compliqué. Alors, j'ai. Ok, attends, je vais y arriver. Ok, Paris, il est là, il va faire 5 degrés. Après, c'est bien fait pour leur gueule. Il va pleuvoir à Nice, juste au-dessus à Gap. On sent qu'il connaît les villes. Alors, j'ai vu, t'es parti. On peut se la péter quand on connaît quelques villes, hein, mais je vais pas le faire. Regarde, j'ai vu, on connaît que 3 villes. Alors, du coup, à Rennes, 2 degrés. Pas mal. À Rennes, comme des neiges. Cherbourg, 8 degrés, il flotte, mais ça vous êtes habitué, c'est tous les jours. Sortir les parapluies, bien joué. Tout à fait. Alors l'Est, hein, Colmar, Strasbourg, voilà. Et l'après-midi, qu'est-ce qu'on a? L'après-midi! C'est bon, Cherbourg! Il y a du jutier beau, la revanche! Oh, Dina, elle a carrément le sub-soleil, quoi. Ouais, j'avoue, il y a un moment où ça brille, tu sais. Et toujours les parias de la France. À Marseille pour la météo, c'est les parias aujourd'hui. Ah non, mais c'est ça aujourd'hui. Ils sont punis, c'est les parias de la journée, et parce qu'il fait beau toute l'année, donc c'est bien fait pour leur gueule. Applaudissements. Bravo. Non, il vous fait non, mais c'est vrai qu'il fait tellement beau toute l'année que pour une fois il pleut là-bas, il fait beau chez nous, ça fait plaisir.